Salut les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Instant Native Site. Alors hier j'avais fait une vidéo que j'ai postée, que j'ai dû supprimer parce qu'OBS m'a fait une couille sur notamment le niveau Dryade dans la brume, donc malheureusement que vous ne verrez pas. Je l'avais fini entièrement au niveau des objectifs principaux, c'est dommage, mais en postant la vidéo je me suis remarqué que ça frisait et j'avais des images fixes, je parlais mais il n'y avait rien. Bon c'est pas grave, on va faire ici Falaise et Abîme, donc un nouveau niveau. Tout de suite s'y diriger et on va voir ce que ça donne parce que j'y suis pas encore allé. Enfin, j'y suis allé une fois juste pour me rendre sur le lieu. Et on est à Falaise et Abîme. Donc, on va se faire la petite prise d'écran et on va essayer de découvrir ce que nous propose celui-ci. Donc, il faut terminer un pays du savoir, résoudre 6 grilles logiques, suivre 3 égaux vagabonds et résoudre 4 motifs lumineux. Alors, ça, à mon avis, c'est. Le pilier du savoir. Alors, il ne faut pas former le motif en carré noir ni carré blanc. Connecter tous les cases sombres et connecter tous les cases claires. Donc, là c'est obligé qu'il y ait un blanc. Ça c'est sûr. Là c'est obligé qu'il y ait un noir. Donc, pour moi, ici, ici, ici. Ça me paraît très simple. Ah oui, il y a plusieurs difficultés, effectivement. Il y a plusieurs niveaux. Donc c'est la même chose. La même chose en connectant toutes les cases sombres. Voilà. Et ici, toutes les cases claires. Ah ah, regardez. Ça va pas. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Alors attends, on va redémarrer. Donc là, si c'est une case sombre, ça c'est une case claire. Si c'est une case claire, ça c'est une case sombre. Voilà. Là c'est une case sombre obligée. Ensuite. Si c'est une case sombre là, ça peut être qu'une case claire ici. On va mettre une case claire là. Là. Ah oui. Ah oui. Attends. Attends, il y a un truc qui va pas là. Voilà. Casse sombre. Merde. Ah shit. Ça va pas du tout ça. Là c'est une casse sombre. Ça peut être casse sombre, c'est qu'une casse claire. Problème c'est que. Attends, ça. Voilà. C'est bon, c'est réussi. Ok. Donc là. Il faut connecter tous les cases sombres. Alors là, ça peut pas être 4 blancs. Ok. Donc, pareil pour là. Alors, attends. Ah, ça, c'est très étonnant, ça. Comment je fais pour... Parce que si je fais ça, si je mets du blanc là, il va pas être connecté. Alors là, par contre, j'ai un gros doute, hein. Donc c'est une case blanche. Alors, si c'est une case blanche... ok, comme ça. Peut-être. Et comme ça. Voilà. Ensuite, ici, il faut connecter toutes les cases sombres. On va essayer comme ça. Et là, ça va pas. Ça va pas non plus. Voilà, c'est bon. Ensuite, difficulté 3 ici. Là, il peut pas y avoir une case sombre. Donc, c'est une case claire. Et là, c'est une case noire. Du coup, faut relier les deux.
Hein? Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah merde. Attends. Casse sombre, casse clair obligé. Casse sombre. Comme ça, case blanche ici. Là, c'est une case claire obligée. Voilà. Ouf. Ok. Donc il faut relier toutes les cases sombres, comme ça. J'essaye, hein. Je vais faire un schmurz. Là, il peut y avoir qu'une casse sombre. Là, il peut y avoir qu'une casse sombre. Là, il peut y avoir qu'une casse sombre. Voilà. Et on a terminé le pilier du savoir. Ok. Ensuite. Donc, il faut résoudre trois motifs lumineux. Ah, attends. D'abord, on va faire celui-là. Connecter tous les cassons, connecter tous les cases claires, bon, c'est le même principe qu'on a vu précédemment. Par contre, là, il est bloqué entre les deux, donc il faut le faire partir. Ce que j'ai peur, c'est de. On va faire ça. Je pense que ça me paraît bon. Voilà. Assez simple. Assez simple. Donc, il faut résoudre 6 grilles logiques. On va essayer de faire les grilles logiques avant de faire autre chose. Parce que suivre les échos lumineux, ça ne tente pas des masses. Oh putain! Oh putain, attends. Alors, si je mets un blanc là, ça peut pas être noir ici, il va être tout seul. Donc le blanc, il est forcément là. Le blanc, il est forcément là. Du coup, le blanc, soit il est là. Mais s'il est là, il bloque le noir, c'est pas possible. Donc le blanc, il est forcément ici. Le noir peut pas être là. Donc je mets du blanc là. Je mets le blanc là. Et ben, on a le blanc ici, le noir là, le noir là, le noir ici, le noir ici. Comme ça, toutes les cases sont. Ah! Et noir ici. Voilà. C'est fait, magnifique. On continue. On va aller voir un petit peu ce qu'il y a au nord là. Ah, il y a trop. Il y a d'autres piliers du savoir à faire en bonus. Ok, celui-là. Ah ouais, c'est autre chose, ça. Oh putain. Connecter toutes les cases sombres et les cases claires. Donc là, le blanc, il est tout seul. Obligé qu'il y ait un blanc ici. Obligé qu'il y ait un noir là. Obligé qu'il y ait un noir là. Obligé qu'il y ait un noir là, parce que si je mets un blanc là, ça marche pas. Ici, obligé qu'il y ait un blanc là. Obligé qu'il y ait un blanc là. Ah putain, ça demande une sacrée. Ah, le blanc, il peut pas couper comme ça. Donc le blanc, il est obligé d'être là. Il est obligé de faire le tour pour rejoindre l'autre. Le noir est obligé de faire ça et ça. Voilà. Le noir qui est là, il faut qu'il rejoigne l'autre partie. Il ne peut pas couper comme ça. Donc le noir est là. C'est une question de logique. Le blanc est comme ça. Le blanc, il ne peut pas être coupé par le noir ici. Donc le noir est ici. Et le blanc est là. Le blanc est là. Maintenant, c'est là où il faut être vigilant. Ah, là, j'ai peur que ça va me bloquer parce que si je mets du blanc comme ça. Ah si, ça peut se faire. Le blanc, il peut pas couper là. On va faire le blanc. Ah, mais attends. Peut pas aller là, le blanc. Puisqu'il y a du noir là. Là, il y a du noir, on est d'accord. Et là, ça va pas. Ah, oh, putain, il y a un truc qui va pas dans ma logique. À moins que tout ça, c'est du blanc. Et que le noir se rejoigne autrement.
Allez, que là ça rejoint, le noir se rejoigne ici. Il descend là, le noir, obligé. Si c'est possible. Attends. En faisant ça. Voilà. Et comme ça, le blanc ici rejoint la zone blanche. Ici. Terminé. Ok, il me reste 3 grilles logiques à terminer. Alors, je regarde. Après, il y a une orbe. On fera plus tard. Oh, il y a un truc caché là. Voilà. Là, il y a une grille logique ici, niveau 3. Donc pareil. Par contre, il faut pas former de motif en carré. Bon. Le blanc peut partir par là ou par là. Faut pas former le motif en carré. Oh, doucement. Il faut pas former le motif en carré. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Si je fais noir comme ça. Bon, solution de facilité, évidemment, je fais le tour. Voilà. Je fais le tour comme ça. Le blanc ici. Il faut que le noir soit rejoint. Là, vous voyez, ça marche pas. Donc là, c'est obligatoirement du noir. Il allait tout seul. Là, ça va pas. Donc là, c'est du blanc. Attends. Là, c'est du blanc. Là, c'est du blanc. Là, le noir est rejoint. Par contre, alors attends. Là, c'est du blanc. Attends, qu'est-ce qui va pas dans l'histoire? Ah oui, parce que j'ai pas de noir qui rejoint. Et si je mets du blanc, ça va pas. Donc là, il faut quelque chose pour rejoindre le noir. Si je mets du noir là, ça va pas. Oh putain. Si je mets du noir. Oh là là, attends. Préscience. Celle-ci, elle est blanche du coup. Alors attends, ce qui fait que le noir là, comme ça. Le blanc comme ça. Le noir, ça va pas ici. Ah mais j'ai un souci moi. J'ai un gros souci. Oh mon dieu. Oh il est dur celui-là. Oh il est dur celui-là. J'essaye des trucs. Oh mon dieu. Ok. Hop, on annule. On démarre. Et celui-là, oh, on va pas le faire tout de suite. Il est dur celui-là. Il est dur celui-là. J'entends un bruit. Là. Il était caché. Je me disais que j'ai vu quelque chose. Là, pareil. Ah, c'est ça que je voulais voir, moi. Ce truc-là. Ça. C'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Là, il y a un pied du savoir, mais c'est pas mon but. Là, il y a quelque chose, là.
Qu'est-ce que c'est que ce machin, hein? Ça s'active pas, je pensais que... Alors là, il y a une histoire de... faire, c'est juste décoratif ça. On va monter, on va aller voir ce que c'est. Là, il y en a un, deux. Fouiller l'environnement? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Ça veut dire quoi, ça? Fouiller l'environnement? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attends. Je comprends pas. La règle, fouiller l'environnement. Le truc, il est pas clair du tout. Bon, je fais des trucs au pif. Je fais vraiment des trucs au pif, hein, là. Putain. Qu'est-ce qui va pas là-dedans? J'essaie de mettre un carré noir quelque part. Ok, celle-ci doit être blanche alors. Ouais, mais attends. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Voilà, moi j'ai réussi là pour moi. Toutes les cases noires sont connectées, les cases blanches sont connectées, ça fait pas de carré. Et ce qui marche pas, c'est ça. Alors, tu vois, au niveau de LED, il t'en parle seulement une fois que tu as réussi, mais il faut trouver à quoi ça correspond, et ça, je comprends pas. Fouiller l'environnement, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je piche pas, hein. On va suivre la préscience. Je comprends pas du tout le truc là. Alors ça par contre, Coco, si quelqu'un
peux me dire ce que c'est, moi je veux bien parce que je vois pas quoi. Je vois pas à quoi ça correspond ce truc. Surtout t'as aucune aide là-dessus. T'es où toi? Vite, vite. Tu vas où toi? T'es là-bas? Vite, 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 mais vas-y! Putain, elle est repartie, bordel! Ah, le temps calculé, j'ai pas su. Ok. On va faire un truc à. Par exemple. Oh bordel. Oh bordel. Ah, c'est complexe. Ah oui, c'est pas possible ça. Ouh! Oh mon Dieu! Ah, c'est. Le niveau, il est largement plus compliqué que celui que j'ai fait juste avant. Ah, ça n'a rien à voir. J'entends quelque chose. Quelque chose. On va aller là. Bon, il faut pas former un carré blanc et un carré blanc. Donc là, obligé, c'est un blanc. C'est obligé que c'est un blanc. Si je mets noir là pour relier, si je mets noir là pour relier, là je suis obligé de mettre blanc mais ça va pas. Voilà. Là je peux mettre blanc mais là je suis obligé de mettre noir. Là je relie noir, comme ça. Voilà, là tout est relié au niveau des noirs. Donc là je suis obligé que ça soit noir. Puis là, ça va pas. Oh putain. Ah là, ça va pas. Oh là là! J'y arrive pas aujourd'hui. Blanc. Là, c'est obligé que ce soit un noir. Là, c'est obligé que ce soit noir et blanc ici. Mais dans quel sens ça? Si je mets noir-blanc comme ça, là, c'est un noir. Là, c'est un blanc. Là, c'est obligé que ça soit noir. Et là, ça soit blanc. Donc, j'ai postulé, je suis parti du postulat de base que blanc, noir. Ok. Là, c'est obligé d'être noir. Là, c'est obligé d'être noir. Là, c'est obligé d'être blanc. Là, c'est obligé d'être noir. La noir noir c'est pas gênant, noir 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 c'est pas gênant. Là il y a automatiquement blanc noir blanc ou noir blanc noir.
faire noir. Ah non, donc là c'est blanc. Noir, blanc, noir. Blanc ici obligé. Donc pour relier, obligé de mettre un blanc là, là un noir. Attends. Imaginons qu'il y a un blanc là. Je mets un noir là. Il y a un blanc là. Donc un blanc pour relier. Un noir là. Un noir là. Un noir là. Un noir là. Attends. Non. Un blanc. Un blanc. Un noir. Waouh! Yes! Putain, celui-là il était dur. Encore deux. Il y a un truc en dessous. Ah bah voilà. Je me disais bien qu'il y en avait un là. Oh! Ça fait comme un dessin sur le mur. Qu'est-ce qu'il faut faire déjà avec ça? Je sais plus du tout. Résoudre 4 motifs lumineux. Pour moi, c'est ça, hein, les motifs lumineux. Je sais pas ce qu'il faut faire avec. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Je sais pas ce qu'il faut faire avec. Y a rien qui s'enclenche. Je sais pas quoi faire avec ce motif là. C'est quoi ça? Ouais, ça je l'ai fait. Faut faire quoi avec? Alors là, j'en sais rien du tout. Je suis censé faire quoi? Qu'est-ce que je suis censé faire avec ça? Il se passe rien. J'ai pas compris le délire là. J'ai franchement rien compris au truc. Oh putain. Il y a un truc caché là dans le coin, c'est pas possible, j'entends quelque chose. Là, pareil, tu vois, t'as une sorte de motif par terre. Sur le... Ah, pour moi, c'était... Il fallait se mettre dans un endroit bien spécifique. Et ça fait quelque chose, mais ça s'est pas enclenché, je comprends pas. Un flanc de falaise... Alors pareil, fouiller l'environnement. Alors, est-ce qu'il faut faire une sorte de damier? C'est ça ton truc?
Oh, ça, mais je sais pas. Je comprends pas. Cette case-là. Alors, j'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai réussi le truc, mais j'ai pas compris pourquoi. Le fait de mettre 100 en noir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, il faut peut-être le même nombre. Faut peut-être le même nombre. Il m'en faut encore une à résoudre. Hein. Il m'en faut encore une à résoudre. Ça, c'est du bonus. Alors, ça, je suis curieux de voir ce que c'est, ça. Pourquoi ça s'active pas, ça? Pourquoi ça s'active pas ce truc? Je comprends pas le délire de machin là. Par contre, je vais crever là. Non, ça va. Il y en a encore un. Deux cubes. Je l'entends. Là. C'est vraiment spécial hein, comme niveau. Donc là, pareil, il y a quelque chose à relier. Il faut faire une sorte de dessin. C'est selon la perspective en fait. Mais je vois pas. Attends, hop. J'ai pas vu quelque chose là. Non, je pensais avoir vu un truc. On va essayer de suivre la boule. Ok, tu vas là-bas. T'es parti où toi? Là, t'es là. Ici. Je te suis, je te suis, je te suis, je te suis. Putain, 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 tu vas où? Là, 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 vite, vite. Voilà. Vite, 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 vite. Tu montes, tu montes, tu montes. Il faut se dépêcher, il faut suivre la boule lumineuse. Voilà. Ici. Ah, putain, dégage. C'est bon, j'ai réussi. Donc, il faut que j'en suive deux des boules vagabondes. Faut que j'en suive deux maintenant. Ok. Moi j'ai réussi ça. Donc il faut encore une grille logique, deux échos vagabonds et quatre motifs lumineux. Le problème c'est que je sais pas du tout à quoi ça correspond ces putains de motifs lumineux là. Pareil, tu vois, il y a ça aussi par terre là. C'est selon comment on se place ça. Très étonnant comme jeu. Hein. Allez, on y va. Celui-là, je pense que je l'ai fait. Hein. Ah oui, c'était le truc complexe. Faut connecter toutes les cases claires. Hein. Et connecter toutes les cases sombres. Hein. Ah, mais là, ça va pas. Là, ça va pas. Connecter les cases claires. On va passer sur le. Ah oui, d'accord. Toutes les cases claires là sont connectées. Les cases sombres le sont-elles? C'est bon. Ok, j'irai sous les 6 grilles logiques. Donc, après, c'est du bonus hein, de faire toutes les autres grilles. Moi, c'est pas trop mon but. Moi, c'est de faire les objectifs principaux. Il y a un truc là. Si d'aventure j'en fais, ben tant mieux, mais les objectifs secondaires, mais c'est pas le but. On va regarder. Tu vois cette sorte de trait là. Très étonnant. Hein. Si j'arrive au moins à faire. Tiens, on va passer là. Tu vois, pareil, ça fait partie d'un symbole. Gare, là,
Mais j'en fais quoi? J'appuie sur Entrée, je dois faire quelque chose pour l'activer. Je clique gauche sur la souris, il se passe rien. Il y en a même sur les arbres, vous voyez, pour faire le dessin. Attends, faut pas que je me tombe par, faut pas que je tombe par terre. Et ça m'embête parce que je vais peut-être pas pouvoir terminer ce niveau-là si je comprends pas ce qu'il faut faire, quoi. Permettez 2 secondes. Un compte. Tiens, en fait, j'ai du courrier, en fait. Ouais, what next? Et what next, on s'en fout. Option. Commande. Avancer, reculer, zoom droit, zol, courir, interagir, c'est le clic gauche, c'est ce que j'ai fait. S'accroupir, contrôle. À part s'accroupir, je vois pas comment je peux faire. Je sais pas, je suis circonspect par rapport à ce truc-là, mais très, très, très circonspect par rapport à ça. Pour moi, il doit se mettre en une autre couleur pour dire que c'est validé, mais je dois reproduire une forme. C'est que je vois pas. Putain, c'est chelou ça. Ça, c'est super chelou, hein. Et on revient là. On va aller au pilier du savoir ici, même si c'est pas mon objectif. Case restante 3. Marquez uniquement ce qui est sûr à 100%. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc 3, 1, 2, 3. Voilà. Case restante 3. Faut que j'en mette 3. Il faut connecter tous les cases sombres et connecter toutes les cases claires. 1, 2, 3. Ok. Bah, 1, 2, 3. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Voilà, on fait ce qui est sûr en fait. Là, il faut mettre 12. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, il y en a 4 de trop. On va faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Il m'en manque 4. 1, 2, 3, 4. Attends. Je comprends pas alors là. Ouais, les 4 sont connectés. J'en ai 12. Les blanches sont connectées. Et ça, c'est connecté. Alors pourquoi ça marche pas? Si on suit leur principe de base des Gugus là. Préscience. Ah, ne devrait pas être coloré. Hein? Attends. Attends, 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 attends. Attends, on va redémarrer. On va faire comme ça. 1, 2, 3. Je sais pas, j'en sais rien. Ça marche pas. Cette case ne devrait pas être colorée. Ok. Cette case ne devrait pas être colorée. Cette case ne devrait pas être colorée. Donc, il faut passer sur le tour. Si on part du même principe que Gugus. Frontière connectée bicolore. Quand toutes les cases claires sont connectées de même que les cases sombres, le casse-tête doit adopter une structure précise. Il doit être formé au maximum d'une ligne connectée de cases sombres et d'une ligne connectée de cases claires. Un motif clair-sombre, clair-sombre,
Le long de la bordure est impossible, car connecter une couleur déconnecterait l'autre. Ouais, ça va être pas des masses. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Ok, je suis très circonspect par rapport à ce truc-là. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Je sais pas, je fais au pif. J'en sais rien du tout là. Je comprends pas le jeu en fait. Ok. Bon là c'est plus classique. Comment je fais pour relier ça et ça en laissant le blanc connecté? Ça va pas ça, attends. Ouais, ça va pas, moi je sais pas comment faire là. Voilà. Putain. Blanche là, je sais pas comment faire pour la connecter. Putain. Ok. Ça, c'est ma zone de début. Je pensais être passé devant un truc. Pas, mais je comprends pas. C'est pas bien connecté là, il y a quelque chose qui va pas dans l'histoire.
Franchement, faudra que je regarde sur le net parce que là. Ah, ça y est! Oh putain! Table pour afficher. Alors, un motif de lumière était projeté sur l'environnement. Trouvez l'endroit où le motif s'aligne à la perfection. Ok. Ok, et ça, c'est tous les défis, tous les jeux que j'ai eu à faire. Il y en a un que j'ai pas encore découvert. Deux ici. Et trois. J'en ai trois que j'ai pas eu. Le motif lumineux, c'est ça. Donc il faut l'aligner à la perfection. Oh putain. C'est chaud. Là, il y a une boule là. T'es où? Viens là. Vite. Là. Ici. Oh putain. Là. C'est bon. Alors il me reste encore un à suivre. Et trois motifs lumineux. Alors les motifs lumineux, on avait vu qu'il y en avait un là-bas. Alors attends. Je fais le tour. Il y en a un là, contre le truc ici. Mais je pense qu'il faut être super en hauteur pour ça. Non? Donc celui-là, on l'a vu, il est fait. D'ailleurs, il n'apparaît plus. Si on m'étend dans un certain angle, bon, j'espère qu'OBS fonctionne bien là. Là, le truc est là. Ça. Là, il y a une sorte de croix là-dessus, sur le truc. Ah, il y a ça à suivre. Ok, t'es où? Oh putain, t'es en... Oh là là, non. Tu fous de ma gueule, hein. Je vais pas réussir à t'avoir, moi. Vite. Ah mais non. Ah, celui-là il va être chiant. Je me pose déjà là-dessus. Reviens ici. Voilà. Vite. Putain. Nickel. Bordel de merde. Vite. Allez, descend. C'est bon. Il est parti où? Oh putain, non, c'est pas vrai. Oh, je vais pas y arriver. Ah, celui-là se laisse tomber, celui-là. Trop dur, Pépère. T'es trop dur, Pépère. Alors, je regarde par rapport à la croix.
Mais je ne vois pas, quoi. Tu vois, il y a... Ça. Là. T'es là-bas. Hop, je te suis. Mais non, mais... Mais... Ah, putain de ta mère! Ah, bordel. Deux mains gauches, le mec. Allez. C'était pas compliqué, pourtant. Je me suis niqué la tête. Oh là 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 là. J'ai pas réussi à prendre mon envol. Hein. Chier, quoi. Il avait pas l'air compliqué en fait celui-là, c'est ça qui me tue. Voilà, vite, hop, hop, voilà, vol. Vol, descend, ici. Ok, vol. Voilà, t'es parti où? T'es parti là-bas. Descend, descend, là. Ok, vol. Tu vas où? Tu vas où? Je te vois plus, tu vois plus, tu vois plus. Non, non, non! Mais pourquoi tu tombes? Pourquoi tu. Oh putain! Mais c'est pas vrai! Putain, la casse-couille! Hein. Sa mamie ne volait pas au-delà des limites du truc, mais merde! J'ai pas le sentiment d'avoir volé au-delà des limites, quoi. Ah, là, il y en a un là. Ok. Ici. Pas compliqué celui-là. Vite, vite. Voilà. Là, on monte. Voilà, t'es où aussi maintenant? T'es où? T'es où? T'es où? T'es où? T'es où? T'es où, coucou? Là, 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 t'es là-bas, t'es là-bas, t'es là-bas. Vite, 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 vite. Voilà. C'est bon. Ok. Donc maintenant il faut résoudre les quatre. Il me reste plus que trois motifs lumineux à résoudre pour la quête principale. Alors attends, je me mets sur le machin. Il faut être dans quel sens pour voir le truc? Celui-là, je comprends pas celui-là. Ça fait un X. J'arrive pas à le comprendre. Mais tant pis, un autre. Faut en trouver. Putain, ça va être chaud patate, je pense. Faut en trouver trois autres. J'ai envie d'aller tout là-haut là. Je sais pas si je peux passer par là, ça m'étonnerait beaucoup, mais je tente quand même le coup. Jamais aller par là. Non, non, non. Oh, putain. Oh putain, il y a un truc là-haut. Mais c'est des dingos. Est-ce que je peux monter là? Après, le jeu s'appelle Falaise. Et je sais pas quoi. Alors, attends. Il y a ça ici. Marquez uniquement ce qui est sûr. Faut relier les cases sombres.
font mettre 3. Un comme ça, un comme ça, un comme ça. Le lemme damier. Quand toutes les cases claires sont connectées de même que les cases sombres, il devient impossible de former un motif en damier car il sera impossible de connecter une couleur sans déconnecter l'autre. Toutes les cases têtes exigeant deux couleurs connectées ont le damier en motif implicitement interdit. Faut pas tout compris. Donc faut pas, faut éviter de faire du damier quoi. Donc noir, blanc, noir. Je sais pas moi. Noir. C'est pas bon. Qu'est-ce qui va pas là-dedans? Noir. Je comprends rien. Ah oui, il faut relier toutes les cases. Oh putain, c'est encore une galère ce truc. Case restante, moins 3. Ça veut dire quoi ça? Ne peut pas être coloré. Je comprends rien. Ouais, bah celui-là je comprends. Ah, il me le fait quand même. Ok, bon j'ai rien compris. Il l'a validé quand même alors que j'ai pas... Ok, j'ai rien compris. Juste pour le plaisir. Ça c'est juste pour le plaisir de faire un écho. Oh putain! Oh putain! Je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver, donc on va aller tout de suite là, se protéger ici. J'ai bien fait, il y en avait un là. Ok. Je regarde s'il n'y a pas quelque chose au-dessus du temple. Ah, regardez. Ça. Il y a des trucs là. Ça. Quelque chose qui est visible de plus haut. C'est très bizarre. Ouais, il y a quelque chose de visible de très très haut, enfin de plus haut. Aussi, il y a quelque chose là. Je voudrais bien résoudre les trois, mais je pense pas que je vais y arriver. En tout cas, les cubes cachés, je les trouve. Alors, c'est ici. Je comprends pas le délire. Bon, je commence à tourner en rond, ça commence à me gaver. Ça commence sérieusement à me gaver, j'aime pas tourner en rond. Pour un truc que j'essaye de regarder. Bon, je veux bien faire ça, mais c'est pas vraiment mon truc que je veux faire. Quoi.
Et je sais plus où est l'autre que j'ai failli faire tout à l'heure. Je pense que c'est par là-bas. Je pense qu'on va s'arrêter là après parce que ça me fatigue. Ça me fatigue. Si je trouve pas rapidement, ça me fatigue cette histoire. Je sais plus où je l'avais trouvé là. C'était pas par là, c'était pas par là. C'était pas en hauteur. Wow. Si, c'était pas là, quelque chose par là. Ici, avec l'arbre. Si, c'est là. Il y avait un truc à aligner là. Voilà. Et là, il faut le mettre parfaitement. Putain, ça doit jouer un poil de cul cette histoire. Allez, valide-moi, s'il te plaît. Ça. Oh, je t'en prie, s'il te plaît. Ah, c'est compliqué, hein. J'essaie de bouger la caméra pour plusieurs angles de vue. Et en fait, il se met tout seul, j'ai pas besoin de cliquer. Dès que c'est bon, il me le valide. Putain, on dirait que c'est bon là. Horrible. Putain, ah, regarde. Là, ça fait ça comme ça. Putain, pour moi, il est bon là. Allez, valide-le-moi, ça joue un poil de cul. Oh putain. Je suis sûr que ça joue à une touche. Tu vois, le petit point qui est là, les deux petits points là, il faut qu'ils se mettent là. Mais avec le clavier, le truc de précision, c'est pas ça, quoi. Parce que pour moi, c'est ça, hein. Voilà, là, il est mis entre les deux. Donc, tu vois, la feuille, là. Attends, non, la feuille, elle doit... Moi, je fais attention à la feuille qui est ici. Ça et ça. Donc, ces deux points-là doivent se mettre là et les deux points-là ici pour combler le trou. Mais putain, va-t'en y arriver, quoi. Là, c'est quasiment ça, hein.
Ça joue avec les nerfs, ce truc, c'est un truc de malade. J'essaye un autre point. J'essaye de voir si je peux pas lier autre chose. Mais bordel, comment c'est dur. Au moins que je me trompe. Je pense pas. Là. Pour moi, c'est bon là, les deux points, regardez, les deux points là sont là, les deux points sont là, ça, ça fait un lien avec ça. Putain, valide. Yes! Wouhou! J'en saute de joie. Allez. Il me reste deux à faire. Je vais pas y arriver. Celui-là, je sais pas comment ça marche. Je suis là. Celui-là, je voudrais bien. Là, tu vois. Ah, ça y est. Attends. Ça va être ça. Donc là, pareil. Déjà trouvé, je m'en fous. Moi, je veux juste faire le petit truc là. Ok. Allez, Coco. Donne-le-moi, s'il te plaît. Donne-le-moi, s'il te plaît. Regarde, un truc est là. Putain. Attends, il faut relier. Attends. En fait, le truc, c'est qu'il faut relier. Parce que si je me pose là, ça marche pas. Ça. Oh bordel. Ok, il y en a un au-dessus là. C'est chaud patate. Non. On est bien d'accord hein, que je suis là. Il se passe rien. Au-dessus, ça fait rien du tout. Ça s'active pas. Ça s'active quand je suis dans l'eau là. Voilà, ça s'active que là. Se mettre accroupi. Allez. Oh, il m'énerve celui-là, j'aime pas. Il n'y en a pas par terre. Hein. Ah, il n'y en a pas par terre. Hein. Okay. En fait, il faut que ce truc-là relie ça. Ou celui-là derrière, je sais pas. Oui, non, c'est celui-là qui relie ça. Et ça, c'est relié avec ça. Voilà, donc pour moi, là, là, on est bon, là. Ici, ça fait une ligne, et là, ça fait une ligne. Alors, pourquoi ça marche pas?
Qu'est-ce qui va pas, Coco? Là. C'est bon, réussi. Plus qu'un. Oh bordel là. Plus qu'un, mais je connais pas les autres. Il y en a là-bas. Mais je suis incapable de deviner. Il y a un qui est là, dans le coin là. Tu vois qu'on voit là-bas ici. Et un qui est ici. Qui doit faire un dessin, mais je sais, j'arrive pas à déterminer ce que c'est. On va aller là. J'arrive pas à le... Oh, il est là, hein. Oh, c'est nouveau, ça. Ah non, c'est là-bas. Ah oui, c'est... Non, c'est par effet de... C'est sur une autre zone, ça. Ok. Putain, il m'en manque un, les gars. Moi que je me trompe, que c'est pas du tout un truc. Je suis certain que si. Je suis certain que si. Hein. Là, ça rame. Tu vois, regarde, ça. Clac, clac. Ici. Dessin gigantesque, je pense, avec des ramifications ici. Pourtant, je me suis mis tout là-haut, mais j'ai rien vu, quoi. Pour moi, il faut être super haut pour le voir, mais... Dernier tour. Il y a ce truc-là aussi, au-dessus, là, que je vois, là. Est-ce que ça faisait pas partie de celui que j'ai... Putain de tonnerre. Putain de tonnerre. Ah. Voilà, il y a des trucs là, ça. Je pense qu'il y en a. Il m'en reste plus. Tu donnes ton pas. Voilà. Là, regarde, attends. Ici. Là, il y en a un là. Là, il y en a un ici, hein. Pas aller directement en face. Garde. Là. Yes. Ouh, réussi niveau. Ah, oh, j'en reviens pas. Faiblesse et abîme. C'est fait. On a terminé le niveau. C'est génial. Je suis
très 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 content. Enfin, franchement, tip top. Hein. Bon, j'ai pas fait le reste des missions, mais c'est pas grave, je m'en fous. Les bonus, je les ai pas fait. Ça, c'est vraiment à la fin, en fait. J'ai envie de peaufiner le jeu. Alors, ce qu'il faut maintenant voir, c'est est-ce que j'ai des quêtes principales qui se sont débloquées maintenant que je suis. Ah, je suis trop content. On va revenir. Attends. Où est-ce qu'elle est la sortie Le petit ponton là pour repartir. C'est là-bas, je crois. Ouais, c'est là-bas. On va quitter Falaise et Abîme. Putain, j'ai un problème de touche. Allez, avec un peu de persévérance, on y arrive. Allez! Voilà. Et en fait, la seule quête que j'ai maintenant, c'est de collecter 30 Mirabilis sur les 18 que j'ai déjà. Donc, j'ai plus vraiment de lieu où aller. Il va falloir que je m'occupe de Mirabilis, de collecter des Mirabilis pour pouvoir avancer et qu'il me propose autre chose. Donc là, ensuite, ce que je vais vous proposer, ça sera des parties donc découvertes de balades dans les différents niveaux. Je vois des choses là que je connais pas du tout, on va aller faire un tour. Voilà. On arrive là notamment. Et ça, on se souvient de ce que c'est, c'était une des premières énigmes. Il faut connecter tous les... Il faut que ça soit visible. Voilà, donc là, ça paraît connecté, mais il y en a un à mon avis que je ne vois pas, qui doit être derrière. Ouais, là, ici. Donc il faut bien se mettre. Ah oui, il y en a deux là. Oh putain, c'est chaud quand même. C'est une question de position. Ah, il y en a trois en fait là. Et un là-bas au bout. Vous voyez, il en manque un. Ah non, il y en a encore un que je vois pas, qui doit être derrière. Celui derrière, là. Oh putain. Après, ils se mettent au milieu, pourquoi pas, mais... Là, ça gêne. Il y en a toujours un. Ouais, c'est lui derrière là. Comment c'est chaud ce truc. Oh là 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 là. Mon avis, s'ils ont mis une plaque devant ici, c'est que. Pas me le mettre, bordel. Hein. Bon, enfin bref. Les amis, je pense qu'on va se laisser ici. Tant pis, j'aurais pas réussi à faire celui-là. On va se laisser là. Ça, c'est les anneaux. On va bien terminer sur un... sur une énigme que j'arrive à faire. Ça serait magnifique. Donc là, faut pas passer par... faut que le faisceau passe partout, sauf l'anneau rouge. C'est du coup de bol à chaque fois, hein, personnellement. C'est du coup de bol, là. Alors ça, par contre, je sais pas ce que c'est, ça.
Hein? Ok, une porte. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est ce machin. Qu'est-ce que c'est que ce truc au fait? J'aurais bien tombé sur. Ah, voilà. Terminer point limite dans Sylve ombragé pour éveiller ce casse-tête. Alors je connais pas du tout. Ok. Alors le truc avec ce jeu, c'est que on n'a pas envie de s'arrêter en fait. On a toujours envie de continuer. Il y a tellement de choses à découvrir. Tellement de choses à découvrir. Ah, les fameux jeux de cubes. Oula, ça rame. Rapprochez-vous. Faut le mettre là. Alors, je sais plus comment on fait déjà. Ah, comme ça. Hé. Il peut tomber que dans un sens. Là, réussi. Voilà. Allez, au moins je termine sur une quête qui marche. Allez, sur ce, les gens, je vous laisse. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Puis moi, je vous dis à bientôt. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Bye bye.